Salut à toutes et à tous, c'est Fred pour la team TFB en direct de Berg. En direct parce que c'est une vidéo, mais on est à Berg. Et Berg, c'était là la vidéo de film Bienvenue chez les Ch'tis a été tournée. Donc là, on est devant le métro. Là où Danny Boone a fait sa demande en mariage, il a été carillonnaire dans le film. Voilà. Vous avez le but de la Martine qui est là. Donc je vous mettrai en plus de la vidéo, je vous rajouterai la petite photo de l'identité de la personne et savoir ce qu'il a fait. Ça date de 1913 à peu près cette histoire. On vous mettra ça à peu près, on vous mettra ça en vidéo. On vous rajoutera la petite identité ou en début ou à la fin, on verra bien. Donc vous verrez bien un peu comment ça se passe. Et puis je suis pas tout seul. Alors je suis avec mes enfants, je suis avec ma petite femme, le chien. Et puis je suis avec aussi Monsieur Zemagri. Zemagri, donc seconde sortie en abonné, avec abonné. Sortie avec encore l'abonné. Petite journée à Berg. Après, peut-être qu'on ira à Dunkerque aussi. Donc la vidéo elle s'arrêtera pas là. On ira peut-être faire un tour à Dunkerque. Et puis là-bas, si on tourne un petit peu, vous avez le café de la Poste. Le fameux café de la Poste. Où est-ce que Cadmerade il s'est pété la cruche et il s'est pété la cruche avec le vélo quand il était bourré? Là-bas dans le coin en fait. Alors attendez, je vais essayer de vous le montrer. Là ici à peu près à mon doigt, là vous avez le café de la Poste, là où Cadmerade il s'est vautré en vélo. Donc pareil, on a pris une petite photo, je vous montrerai, il y a Sonny Hop qui clame en photo, devant le vélo de la Poste qui s'est viandé. On a aussi le logo de la région Nord-Pas-de-Calais. Alors, le logo des Flandres, Nord-Pas-de-Calais-Flandre. C'est le lion avec le fond doré. Avance un peu. C'est le lion avec le fond doré. Ça, c'est le logo des Flandres. Voilà, il y en a deux façons différentes de. Voilà. Donc pour l'instant, on va rester là et puis on repart après. Donc à Berg, bon, on va peut-être prendre des photos aussi qu'on rajoutera à la vidéo. Et après, on va aussi aller à Dunkerque faire un tour. Comme ça, vous aurez une petite vidéo super sympa. Allez, à tout à l'heure, ciao, ciao. Encore un beffroi plus petit celui-là. On est. C'est plus. Je dirais pas une zone de pêche ici, quoi que si. Il y a une poissonnerie là-bas. Donc il y a une poissonnerie là-bas. Je crois que ça va être la mairie là-bas. Il y a des marchands aussi là-bas. Il y a le marché. Dunkerque, carnaval de Dunkerque, au mois de mars, février, mars. Donc c'est toujours pareil. Courte vidéo parce qu'on a déjà fait pas mal sur Berg. Donc entre Berg et Dunkerque, 20 minutes de route à peu près. On va vous mettre des petites photos aussi.
mais on a pris ce coin-là parce que c'était plus praticable pour se garer. Et là-bas, c'est où la mairie? Donc c'est comme à Calais alors. Ouais. Et là, le grand machin avec le pointe là-bas. Grand machin avec la pointe là, c'est la mairie de Dunkerque. C'est comme à Calais à peu près. Donc voilà. Donc second séjour avec, enfin seconde sortie avec Clem. Et logiquement, vous aurez une autre vidéo où on va aller faire la route. La route à Côte d'Opale et peut-être quelques photos de nos équipes à Boulogne-sur-Mer et peut-être un tour autour de Tokyo. Voilà. Allez, sur ce, à plus. Ciao, ciao.